Madame Hamid, tu commences? Ouais, toujours. الظاهر الباطن الرحمن الرحيم الودود خبير يا الشافي طيب الرحمن الرحيم الرؤوف الودود البر اللطيف الشافي سنت. المتعالي أبين. العلي الأعلى يوسي الأعلى يا العلي يوسي الأعلى بتخيل أحسنت. Alors aujourd'hui nous allons aborder le deuxième pilier de la foi qui est la foi aux anges l'iman بالملائكة. Et comme on le sait, comme on l'a dit au début, l'objectif c'est de parvenir à avoir une foi détaillée. Et donc on va essayer justement de citer un certain nombre d'informations qui concernent le monde des anges. Et nous verrons à la fin quels sont les effets et l'impact qu'aura ou que va produire cette foi sur nous. Alors, al-mala'ika, c'est le pluriel de malak. Et al-malak, dans la langue arabe, c'est un mot qui est dérivé de ce qu'on appelle al-aluka, qui veut dire al-risala, le message. Et les mala'ika, ce sont des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de lumière. Comme il a dit, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khuliqatil mala'ikatu min nur. Les anges ont été créés de lumière. Wa khuliqal jannu min nar. Et les djinns ont été créés de feu, sans fumée. Et Adam a été créé de ce qui vous a été cité. Donc on sait que les anges ont été créés de lumière. Et bien évidemment, on ne sait pas de quel type de lumière nous parlons ici. Ça relève du monde invisible. Mais en tout cas, Allah Azza wa Jalla les a créés de lumière. Et croire aux anges est un pilier parmi les piliers de la foi. Qu'est-ce que cela signifie de croire aux anges? Même Suyuti nous dit que croire aux anges, ça implique, premièrement, de croire qu'ils existent. Al-Iman bi wujudihim, al-Tasdiq bi wujudihim, qu'ils existent. Comme vous le savez, les anges, on ne les voit pas. Ça relève du monde invisible. Et on a dit plusieurs fois que quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants dans Surat al-Baqarah, les pieux, la première qualité que Allah Azza wa Jal a donnée aux pieux, c'est leur foi à l'invisible. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Deuxièmement, c'est de les mettre au rang qu'ils conviennent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ses anges et il leur a donné des tâches et des missions différentes comme nous allons le voir. Et ce sont des créatures qui meurent quand Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils meurent, et des créatures qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais lui désobéir. Et donc on a des hadiths, de nombreux hadiths
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des anges. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu l'ange dans sa véritable image. Deux fois. Car la plupart du temps, le contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange se faisait via une forme humaine. L'ange, il s'incarnait dans un corps humain. Il prenait souvent l'image d'un compagnon qui s'appelle de Higal Kelbi. Mais sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà vu Jibril alayhi salam dans sa véritable image. On a un hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Bainama ana amshi » Ça c'est 3 ans après la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 43 ans. Et ça c'était pendant la période de l'interruption, Fatratul Wahi. Parce qu'il y a eu un moment dans Sira, c'est connu, où il y avait une interruption. Jibril ne venait plus à un certain moment. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte justement cet événement. Il dit Bainama ana amshi, alors que je marchais, sami'tu sawtan min as-sama. J'ai entendu une voix venant du ciel. Farafa'tu basari. J'ai levé la tête. Et là, il nous dit Fa'idha al-malaku alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyin min as-sama'i wal-ard. Il dit, et tout à coup, je vois l'ange qui est venu à Hira, dans la grotte de Hira, assis sur un siège entre le ciel et la terre. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je fus saisi de frayeur. Et je suis retourné chez Khadija en disant, Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vu quand il a fait l'ascension. Quand il a entrepris le voyage vers les cieux, il nous dit Marartu laylata usriyabi bil mala'il a'la. J'étais passé la nuit du voyage nocturne devant l'assemblée suprême. Wa jibrilun kal hilsil bali min khashyatillahi tabaraka wa ta'ala. Donc le Nabi Sallam nous dit que il est passé la nuit du voyage nocturne devant l'assemblée suprême et l'ange Gabriel, il est apparu Kelhils al-Bali, comme un vêtement usé. Al-Hils, c'est les vêtements qui sont usés, comme le tapis, etc. Il dit, je l'ai vu comme un vêtement usé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça montre le degré de crainte qu'avaient les anges. Alors que comme on le sait, les anges, ils sont à l'abri du châtiment. Mais tellement ils ont une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que leur crainte elle est immense. Elle est immense. Un tel point que quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle aux anges, les anges ils sont tellement pris de frayeur qu'ils perdent conscience. Hatta idha fuzzi'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq. Quand Allah azza wa jalla parle à ses anges, c'est pas tout le monde qui arrive à saisir les propos. C'est l'ange Gabriel que Allah subhanahu wa ta'ala a doté de force, bi quwwatin 'inda al-'arshi makin, qui leur rapporte les propos d'Allah et qui leur fait comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Et donc on a énormément de textes qui montrent la force et la puissance de ces anges-là, notamment concernant l'ange Gabriel. On sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il l'a vu dans sa véritable apparence. Et il nous informe qu'il a vu que l'ange Gabriel, il possédait 600 ailes. Allah Azza wa Jal parle de l'ange Gabriel dans Surat al-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim. C'est la parole d'un noble messager. Dhi quwwatin, doté de force. Inda dhil arshi makin, qui a du crédit auprès du détenteur du trône. Allah subhanahu wa ta'ala également nous informe que ces anges possèdent des ailes et ils sont différents dans leur conception. Il y en a qui en possèdent 2, il y en a qui en possèdent 3, il y en a qui en possèdent 4. Alhamdulillah, fatir al-samawati wal-ard, ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba'. Également, on a un récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des anges qui portent le trône. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyah.
C'est que Allah Azza wa Jalla a créé 8 anges qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu salam, dans le hadith que rapporte Abu Daoud, il nous dit Udhinali, il m'a été autorisé de vous raconter le récit d'un des anges portant ce trône. Entre le bout de son oreille et son épaule, il y a 700 ans de marche. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous informe que ces créatures-là, ils vouent une adoration d'Allah Azza wa Jal constante, sans relâche, sans fatigue, sans yani, de lassitude. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Ils glorifient le Seigneur jour et nuit, sans relâche. Et l'imam al-Suyuti, à partir de ce verset, il a déduit que les anges ne dorment pas. Et l'argument et la preuve que les anges ne dorment pas, c'est la yafturun, sans relâche. Aussi, parmi également les informations qu'on a à propos des anges, c'est leur nombre impressionnant. Subhanallah al-Azim. Leur nombre impressionnant. On a quelques hadiths, je vais en citer deux, qui montrent vraiment comment les anges sont très nombreux. Il y a un hadith que rapporte Imam Ahmad al-Nasa'i, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a ce qu'on appelle dans les cieux al-Bayt al-Ma'mur, la maison animée. C'est en quelque sorte la Kaaba des anges. Comme les humains ont une Kaaba sur terre, vers laquelle ils se dirigent, ils s'orientent pour adorer Allah Azza wa Jal, les anges, ils en ont une dans les cieux. On appelle al-Bayt al-Ma'mur, qui se trouve au 7e ciel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. 70 000 anges y entrent chaque jour et ils ne reviennent plus jamais jusqu'au jour de la résurrection. Ça vous donne une idée du nombre impressionnant. Chaque jour, tu as 70 000 nouveaux anges qui accèdent dans ce lieu pour la première fois. Tout comme également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe le jour où l'enfer sera ramené, Yawm al-Qiyamah. L'enfer sera يُؤْتَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَةٍ. L'enfer sera traîné, sera ramené ce jour-là avec 70 000 brides. Chaque bride est tirée par 70 000 anges. Et sans parler, comme vous le savez, chaque être humain, il a avec lui 4 anges. Il y en a deux qu'on appelle les scribes, un à droite et un à gauche. Et il y a ceux qui le protègent. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Et parmi ces anges-là, il y a les trois meilleurs anges, ceux qui ont le plus de mérite, le plus de proximité près d'Allah Azza wa Jal, ce sont Jibril et Mikaïl et Israfil. C'est pourquoi dans son magnifique livre Ibn al-Qayyim Zad al-Ma'ad, il commence par une introduction dans laquelle il commente le verset وَيَخْلُقُ رَبُّ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Allah, il crée ce qu'il veut et il choisit. Et Ibn Qayyim, il fait justement cette introduction qui est beaucoup reprise par les prédicateurs. Quand il dit رَحْمَتُ Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 7 cieux et il a choisi le 7e ciel. Il a fait de lui le lieu le plus proche de son trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les jours et il a choisi le vendredi. Et il l'a placé comme le meilleur jour de la semaine. Et Allah, il a créé les mois, il a choisi Ramadan et il l'a choisi comme le meilleur mois. Et il a créé la terre, il a choisi Mecca, il a fait d'elle Ummul Qura. Et il a créé les humains et parmi les humains, il a choisi les croyants. Et parmi les croyants, il a choisi les prophètes. Et parmi les prophètes, il a choisi les messagers. Et parmi les messagers, il a choisi Ulul Azm. Et parmi Ulul Azm, il a choisi le Khalilain, Muhammad wa Ibrahim, alayhi wa sallam. Et parmi les deux, il a choisi Muhammad sallam, ja'alahu sayyid al-khalq. Il a fait de lui le maître. Et puis, il dit Allah, il a créé les anges, et parmi les anges, il a créé Jibril wa Mikaïl wa Israfil. D'ailleurs, c'est pourquoi
dans les invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yatawassal ila Allah azza wa jal bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala, les Jibril, les Mikaïl, les Israfil. Vous savez, c'est quoi le tawassul? Tawassul, c'est un chapitre très important dans la croyance. Quand on fait des du'a, on va chercher proximité auprès d'Allah Azza wa Jal en faisant le tawassul. Soit à travers ses noms et attributs. On va dire Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dal Jalal Ikram. On va utiliser les noms et les attributs justement pour rechercher la proximité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour rechercher à ce que nos invocations soient exaucées. Soit le tawassul, il se fait également par une action pieuse, comme l'histoire des trois qui étaient bloqués dans la grotte. Et il y en a, il leur a dit, aujourd'hui, il n'y a que votre véracité qui va vous sauver, invoquer Allah par une action par laquelle vous avez été sincère. Et donc les trois, ils ont invoqué Allah. Il y en a, il a dit, Allah, j'avais des parents, à chaque fois que je reviens du travail, je commence tout d'abord par les nourrir avant même de nourrir mes propres enfants. Et un jour, je suis arrivé, j'ai trouvé mes parents endormis et je suis resté debout devant leur lit attendant qu'ils se réveillent alors que mes enfants étaient à côté en train de pleurer. Ya Rabbi, si tu sais que j'ai fait ça en recherchant ta satisfaction, délivre-nous de ce rocher. Et là, une partie du rocher s'écarte, mais il ne pouvait pas encore sortir. Et le deuxième, il a cité justement son honnêteté par rapport à des gens qui ont travaillé chez lui. Et il y en a un, il n'a pas pris son salaire, parce qu'il le considérait comme minime. Mais quelques temps après, il est revenu pour le réclamer. Seulement, lui, il avait déjà investi ce salaire-là. Et donc, ça lui a donné beaucoup de richesses. Et donc, quand l'homme il est revenu pour demander son bien, il lui a dit, tu vois, tout ce bétail, tous ces moutons, tout, eh ben, ils sont à toi. Et l'homme, il lui dit, ne te moque pas de moi. Moi, je ne t'ai pas laissé ça. Il lui dit, mais ton salaire, en fait, je l'ai investi dans ce que tu vois actuellement. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Il a tout pris. Il lui a dit, Seigneur, si tu sais que j'ai fait cela pour toi, délivre-nous. Et puis l'autre avec sa cousine. Donc, c'est un hadith qui est connu. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle tawassul. D'accord ? Et quand on fait tawassul, tu vois, subhanallah, regardez même dans le Coran par exemple, tu vois le lien. Dans le Coran, quand vous regardez par exemple les sourates protectrices, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Vous voyez le tawassul, قُلْ dit أَعُوذُ, je cherche protection, je cherche refuge, بِرَبِّ الْفَلَقِ, auprès du Seigneur du matin. Le falaq, c'est le matin. Pourquoi on a dit, pourquoi ici Allah Azza wa Jal, il dit le Seigneur du matin? Pourquoi il n'a pas dit le Seigneur d'une autre créature? Pourquoi il a choisi le matin? Pourquoi le tawassul ici se fait avec Rabb al falaq? Parce qu'il y a un lien avec ce qui va suivre. Min sharri ma khalaq, du mal qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, et du mal de la nuit lorsqu'elle vient. Wa min sharri naffathati fil 'uqad, et du mal des sorcières qui soufflent dans les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad, et du mal de l'envieux lorsqu'il envie. Le lien, c'est quoi le lien? Le lien, c'est que Seigneur, comme c'est toi qui es le seul capable d'apporter le matin, d'apporter la lumière pour dissiper l'obscurité. C'est le seul Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, dans cette sourate, on demande à Allah qu'il nous protège de la nuit lorsqu'elle vient. Min sharri ghasiq, le ghasiq c'est la nuit, idha waqab. Parce que généralement, la plupart du danger a lieu la nuit. Que ce soit le danger des shayatins parmi les humains, la plupart des agressions, des vols, etc., des crimes, hein, ils sont accomplis la nuit. Mais également, même le danger par rapport aux bêtes et aux animaux, ils sont plus dangereux la nuit, puisque c'est là où ils sortent de leur grotte, etc., de leur cachette. Et également par rapport au char d'il djinn. Donc, ô Seigneur, comme toi le seul qui est capable de ramener le matin,
c'est toi le seul qui est capable de me protéger contre le mal des sorcières et le mal des envieuses. Ouais. Et donc regardez ici la dua que faisait le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il priait la nuit. Lorsqu'il faisait la prière de nuit, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifoun, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha ila sirat al-mustaqim. » Ce dua, il est recommandé de le dire quand vous faites le tarawih le soir, avant de commencer le fatiha, de dire ce dua-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il implorait son Seigneur par ses mots lorsqu'il accomplissait la prière durant la nuit. Et regardez le sens profond. Allahumma, oh Allah, Rabba Jibril, le Seigneur de Jibra'il, de l'ange Gabriel, et de Mika'il et de Israfil. Fatir as-samawati wal-ard, créateur des cieux et de la terre. Anta tahkumu bayna ibadak. C'est toi qui juges entre tes serviteurs ce sur quoi ils se sont divergés. Ihdini limakhtulifa fihi. Guide-moi vers la vérité. Toutes ces divergences là, toutes ces querelles, montre-moi le droit chemin. Montre-moi la croyance authentique. Montre-moi la voie authentique. Montre-moi le chemin de vérité. T'imagines, tous les soirs, tu implores ton Seigneur avant de prier par ces mots-là. Inna ka tahdi man tasha, tu guides qui tu veux, ila sirat al-mustaqim. Pourquoi choisir ces trois anges? Regarde, et le lien avec la fin du hadith. À la fin, c'est quoi? C'est guide-moi. Inna ka tahdi man tasha, ila sirat al-mustaqim, tu guides qui tu veux sur le droit chemin. Il a tawassala bi rububiyyatihi subhanahu ala Jibril. Que Allah, c'est le Seigneur de Jibril. Et on sait que Jibril, Allah, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui a confié comme mission? La mission de la révélation. Nazala bihi ar-ruhul amin. Et dans la révélation, il y a bien évidemment la vie des cœurs. Le cœur, quand je parle de cœur, je ne parle pas de l'organe. Je parle du cœur spirituel. Le cœur ne vit que par la révélation. Le cœur, il ne se nourrit pas par la matière terrestre. La matière terrestre est la nourriture du corps, car le corps a été créé de terre. Mais lui, le cœur, non. Le cœur, lui, il lui faut une nourriture qui vient du ciel. C'est pourquoi, à travers cette révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a descendue, les cœurs vivent. Les cœurs ont un sens à leur existence. D'accord? Deuxièmement, Rabba Jibra'il wa Mika'il, et le Seigneur de Mika'il. Et on sait que Allah Azza wa Jal a donné à Mika'il comme tâche de gérer la pluie, le vent. Et dans ces choses-là, il y a la vie des corps. À travers la pluie, à travers la végétation, etc., il y a la vie des corps. Et Israfil, c'est l'ange que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza lui a confié la mission de souffler dans la trompe. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Israfil soufflera à deux reprises. Une fois où toute créature, elle s'éteint, elle meurt. Et il soufflera une deuxième fois où toutes les créatures seront ressuscitées pour être présentées devant le roi subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, le lien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces trois anges-là, un, la chose par laquelle il y a la vie des cœurs, l'autre, la chose par laquelle il y a la vie des corps, et l'autre, la chose par laquelle il y aura la vie éternelle. Et à la fin, tu dis, Allah, guide-moi vers le droit chemin. Parce que si Allah il te guide vers le droit chemin, t'as gagné. T'es heureux. Ta vie spirituelle, ta vie corporelle et ta vie éternelle. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a accordé à ses anges des capacités.
notamment une capacité à prendre des formes différentes. On sait que l'ange Gabriel, il est venu voir Maryam pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, et il est venu à elle alors qu'il était sous forme humaine. Quand également les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salam, ils sont venus sous forme humaine. Al ataka hadith dhayf Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Dans sorte de Zariyat, Ibrahim reçoit des invités. En fait, c'était des anges qui sont venus le voir sous forme humaine. Et quand ils sont venus, quand ils sont rentrés chez lui, Allah il nous dit faragha ila ahlihi. Il s'est précipité vers sa famille. Faja'a bi'ijlin samin. Il a apporté un veau bien gras. Ibn al-Qayyim, il extrait de ce verset une dizaine de comportements sur comment recevoir son invité. Et bien, à travers ce verset-là, on apprend comment accueillir nos invités. Un verset qui fait quelques versets. C'est à la fin, c'est la deuxième page de Zariyat. À la fin, toi tu lis ces 3-4 versets, mais tu regardes toutes les leçons et tous les enseignements qu'il y a pour nous, c'est extrêmement riche. Et vous savez que parmi les signes de la foi, c'est quoi ? De bien accueillir son invité. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Regardez Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il reçoit ces deux personnes-là, il ne sait pas que c'est des anges. Ils viennent chez lui. Allah il nous dit faraga. Il n'a pas dit waraga. En arabe, il y a une différence entre le waw, le fa et thumma. C'est particulier là. Le waw et le fa, qu'est-ce qu'il donne comme indication? Il donne la succession. Ça veut dire que la chose, elle se fait immédiatement. Contrairement à thumma. Thumma tufidu tarahi. Par exemple, si je dis dakhala Muhammad thumma Ibrahim. Je sais que Muhammad, il est rentré en premier. Et Ibrahim, il est rentré après lui. Après un laps de temps. Parce que le thumma, il indique justement une certaine temporalité entre les deux actions. Par contre, quand en arabe je dis dakhala Muhammadun fa Ibrahim, l'arabe, il comprend que Ibrahim est rentré tout de suite après Mohammed. Je fais de ta'qib. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dès que Ibrahim reçoit les invités, il n'aura pas dit est-ce que vous voulez manger quelque chose, comme ils font les avares. Il y en a même, ils vont encore plus loin que ça. Vous voulez rien, les frères, c'est bon? Ok, asseyez-vous. Tiens, il te facilite la réponse, tu vois. Comme ça, tu lui dis non, je veux rien. Tu ne vas pas lui dire si, je voudrais bien, si. Je voudrais boire, nourris-moi s'il te plaît, donne-moi à manger. Non, Ibrahim Hassan, faraga, il s'est précipité, tu vois, directement. Il n'a pas ramené le reste du plat d'hier ou le plat qu'il ne voulait pas manger. Non, faja'a bi'ijlin samin. Il a ramené un veau bien gras. Regardez, subhanallah, l'ikram, la générosité, comment on accueille l'invité. Et il leur pose, tu vois. Mais quand il a vu qu'il ne mangeait pas, il n'aura pas dit, il a dit, Ala ta'kulun, vous ne mangez pas? Et c'est là, après, il a compris que c'était des anges. Le muhim, c'est que les anges ici sont venus sous forme humaine. Et également, l'autre, alayhi salam, les anges sont venus également sous forme humaine. Et Nabi sallallahu alayhi salam, comme on l'a dit, l'ange, la plupart du temps, il venait soit avec la forme d'un bédouin ou soit la forme d'un sahabi qui s'appelle Dihiyya ibn Khalif al-Kilbi. Et regardez également dans le hadith très célèbre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'une personne parmi les Bani Israël avait tué 99 personnes et il a voulu se repentir. Il est parti voir un rahib, un moine, un adorateur, mais il n'avait pas de science. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que tu penses que je peux me faire pardonner? Il lui a dit non. Quel pardon tu cherches, toi? T'as tué 99 personnes. Qu'est-ce qui te reste comme espoir? Il l'a tué. Il a complété le nombre de ses victimes à 100. Puis, quelques temps après, il avait encore un désir de se repentir. Et là, cette fois-ci, il a été dirigé vers un savant. Allez. Il lui dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que j'ai encore la possibilité de me repentir? Il lui dit, bien sûr. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher de te repentir? Il lui dit, mais tu dois quitter cette terre dans laquelle tu vis pour aller vivre ailleurs.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a démarré, il est parti. Mais sur le chemin, il est mort. Et là, les anges de la miséricorde sont descendus et les anges du châtiment, ils sont descendus. Et ils se sont divergés à son sujet. Les anges de la miséricorde, ils ont voulu le prendre. Ils ont dit, viens avec nous. Il s'est repenti, viens avec nous. Les anges du châtiment, ils ont dit, non. Il a tué 100 personnes, il vient avec nous. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange sous forme humaine afin de compter ses pas. Et Allah azza wa jalla, il a révélé à la terre où il voulait aller de se rapprocher. Il a révélé à la terre qu'il a quitté de s'éloigner. Et l'ange, il a trouvé qu'il était plus proche de la terre où il voulait se rendre, d'une petite distance. Et c'est les anges de la miséricorde qui l'ont pris. Également, on a également aussi la vitesse de ces anges-là. C'est une vitesse qui est impressionnante. Nous, on sait que la vitesse la plus incroyable que nous connaissons, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km dans la seconde. Mais les anges, c'est au-delà de cela. C'est au-delà. C'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Jibril, alayhi salam, quand une question est posée au prophète, Jibril, il monte vers les cieux, il revient avec l'information. Alors que ton œil n'a même pas encore cligné des yeux, qu'il est déjà parti voir le Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et il est revenu avec l'information. Aussi, quand on parle des anges, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces anges pour servir les gens de la foi. Cette foi aux anges, elle nous montre comment, subhanallah, le croyant, il est important auprès d'Allah, Azza wa Jal. Parce qu'une partie des anges, ils ont pour mission d'assurer ta sécurité. Ils ont comme mission d'assurer ton bien-être, de te protéger et de t'inciter au bien. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est personne d'entre vous à qui Allah n'ait assigné son compagnon parmi les djinns et son compagnon parmi les anges. Donc Karim, chaque humain, il a un compagnon parmi les djinns qui l'incite à faire le mal. Mais chacun aussi, il a un compagnon parmi les anges qui l'incite à faire le bien. Et ces anges-là, il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe comment ces anges ils veulent le bien pour les croyants. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que quand tu dors avec les ablutions, il y a un ange qui passe toute la nuit à invoquer pour toi. Ou Allah pardonne à ton serviteur car il a dormi en état d'ablution. Et le croyant également, il lui est demandé justement de ne pas gêner les anges par son attitude et par son comportement. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que rapporte al-Bukhari, il nous dit « Idha qama ahadukum yusalli min al-layl, falyastak » Quand l'un de vous se lève pour prier la nuit, qu'il utilise le siwak. « فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ » Car quand vous récitez dans votre prière, l'ange, il pose sa bouche sur ta bouche, à proximité de ta bouche. Et tout ce qui sort de ta bouche, eh ben, l'ange, il est à ta proximité. Donc, on sait également que les anges, ils sont gênés par les mauvaises odeurs. D'ailleurs, c'est pourquoi le prophète, sallam, dans le hadith, comme on va voir, il interdit d'aller à la mosquée pour celui qui a mangé l'ail et l'oignon. On a aussi plein de hadiths qui montrent que les anges sont présents. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous divulgue le mystère et le monde invisible, on verrait de nombreux anges autour de nous. Quand tu vas à la prière, vous savez qu'il y a des anges qui se relaient à la prière du Fajr et à la prière du Asr. Et quand la prière de l'Fajr arrive, ceux qui étaient avec toi le soir, ils repartent. Allah, il leur dit, alors que Allah est plus savant qu'eux, il leur dit, comment avez-vous laissé mon serviteur?
Ils répondent quand on l'a laissé en train de prier et quand on est venu, il est en train de prier. À l'heure du Fajr et à l'heure du Asr. Également, quand tu fais des duas, à chaque fois que tu fais des duas pour quelqu'un, l'ange il dit Amin wa laka bil mithl. Amin et qu'Allah il te donne la même chose. Quand tu fais des duas pour ton frère, quand tu fais des duas pour quelqu'un, l'ange il te dit Amin wa laka bil mithl. C'est pourquoi on dit qu'il y avait des pieux lorsqu'il voulait quelque chose. Il l'a demandé pour son frère. Parce que après, l'ange va dire Amin wa laka bil mithl. Et donc on a dit également que les anges, il y a ce qu'on appelle le Qarin. C'est pour ça qu'il y a un propos concernant Omar. Omar, on dit Inna sakinata tantiqu ala lisan. Omar est un homme qui était très inspiré. Omar, Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait de dire des propos dans certaines occasions où tu constates réellement la grande sagesse. Al-Mulham, c'est pourquoi on l'appelait l'homme inspiré. Également, parmi les choses également que les anges y font, c'est qu'ils font des du'as pour les croyants. Alladhina yahmiluna al-arsh, ceux qui portent le trône, wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Que les anges portant le trône, ils célèbrent la gloire d'Allah Azza wa Jal et ils implorent le pardon pour ceux qui croient. Il y a également les anges qui parcourent la terre à la recherche des assises de rappel. Et dès qu'ils trouvent une assise, ils assistent pour écouter le rappel. Et donc c'est pourquoi nous devons, en tant que musulmans, en tant que croyants, respecter ces créatures-là. Et les ulama ont été très sévères concernant le manque de respect à l'égard des anges. Lui-même le Qarafi, un savant malikite, il dit qu'il est obligatoire à chaque musulman responsable de respecter les anges et de respecter aussi les anges. Il dit, et c'est pourquoi toute personne qui porte atteinte à leur honneur, il est kafir. Il commet un acte de mécréance. Qu'il le fasse d'une manière explicite ou d'une manière implicite. Et même s'il le fait d'une manière implicite, le kufr, il tombe sur lui. Regardez les exemples qu'il donne, Farafi. Il dit comme quelqu'un, lorsqu'il voit quelqu'un de dur, il lui dit, toi, t'es encore plus dur que Malik, l'ange gardien de l'enfer. Ou il dit, quelqu'un, il voit quelqu'un par exemple qui n'est pas très, très beau, il lui dit, toi, tu fais encore plus peur que Munkar et Nakir. Et bien, Al-Qarafi, il considère cela comme un acte d'apostasie. Parce que c'est porter atteinte à la dignité et à l'honneur de l'Malaïka. Il dit, Fahuwa kafirun. Et c'est là. Mes frères et sœurs, vous voyez les dégâts de la langue. Surtout aujourd'hui, où les gens prennent tout à la légère. T'as des gens, ils blaguent sur tout. Ils blaguent sur tout, même sur des questions, subhanallah. Je sais pas comment on bloque ces commentaires. Il y a des gens, ils rigolent surtout, subhanallah. Même sur des questions comme ça. T'imagines, tu dis une parole. T'as jeûné 20 Ramadan. T'as prié pendant 10 ans. Faja'alnaha haba'an manthura. Allah, il transforme tout ça en poussière éparpillée. C'est pourquoi, dans la sunna de Nabi alayhi salat salam, il met en garde contre les dégâts de la langue. Mu'adh, étonné, lui dit « Afanuhasabu bimanakoul ?» Vous savez, quand il pose la question, Mu'adh, il lui dit « Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ila jannah wa yunajjini minal nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu yasir ala man yassara Allah min yassara alayh. » Il lui donne les actions qui mènent vers le paradis. À la fin, il lui donne comme conseil, il lui dit « Kuffa anka hadha. » Abstiens cet organe-là. Il lui dit « Rasulullah,
Serons-nous jugés sur ce qu'on dit ? Il lui a dit Thakilatka ummuka ya Muhan. Wa hal yakubbu an-nasu ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'id asinatihim. Et la plupart des gens, ils seront traînés face contre terre en enfer à cause des dégâts de leur langue. À cause des dégâts de leur langue. Les gens qui commettent le plus de péchés sont ceux qui ne contrôlent pas leur langue. Et donc il y a des propos qui provoquent des péchés, mais il y a des propos, wal'iyadu billah, qui font disparaître la foi. C'est-à-dire où la personne il doit revenir de nouveau vers sa religion, ta'iban, muniban ila Allah azza wa jalla. Et donc on a dit aussi que les anges ils sont gênés par les mauvaises odeurs. Le prophète sallam a dit quiconque mange de l'ail, de l'oignon ou du poireau n'approche pas notre mosquée car les anges sont incommodés par ceux qui incommodent les fils d'Adam. Aussi, il y a également un autre point qui est également intéressant, c'est de savoir quels sont les effets sur nous. Quel effet la foi aux anges va-t-elle procurer ? Comment la foi aux anges va-t-elle impacter nos vies ? Premièrement, en s'informant, en entendant ces propos-là, que les anges, ce sont des êtres qui adorent Allah Azza wa Jal constamment, sans relâche, ils glorifient leur Seigneur, et bien le croyant, il va fournir l'effort justement pour prendre exemple et faire comme eux, et adorer son Seigneur, et se rapprocher de son Seigneur. Et vous savez que les savants disent que l'homme pieux, il est encore meilleur qu'un ange. Tu vois ? Parce que l'adoration de l'ange, elle se fait de manière naturelle. Tu sais, l'homme, subhanallah, Allah lui a donné cette particularité, c'est que l'homme, l'humain, il a des attributs en commun avec les anges, il a des attributs en commun avec les animaux, et il a des attributs qui lui sont indépendants, que ni les animaux et ni les anges n'ont. En tant qu'humain, nous partageons certaines choses avec les animaux. Comme le fait de manger, de boire, l'énergie sexuelle. Nous partageons également des choses avec les anges, comme l'adoration d'Allah. Les anges, ils adorent Allah, ils glorifient Allah. Nous aussi, on peut le faire. Mais nous, on a certaines spécificités que les anges, ils n'ont pas. Comme la connaissance, on le voit dans Sourate Al-Baqarah, la première histoire du Coran. Quand Allah il a créé l'ange, quand Allah il a créé Adam, dans un premier temps, les anges, ils ont manifesté leur incompréhension. Vas-tu créer un être qui va faire couler le sang et il va semer la corruption sur terre? Allah il leur dit, inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer clairement aux anges pourquoi il a décidé de créer une nouvelle créature. Et il va leur montrer en quoi cette créature, elle se distingue par rapport à eux. Et c'est pourquoi, après que les anges soient informés des particularités qu'Allah Azza wa Jalla a données à l'homme, il va leur ordonner de se prosterner pour lui. Allah, il leur dit, Nabbi'uni bi asma'i ha'oula. Informez-moi des noms de ces choses. Et les anges ne savaient pas. Les anges n'avaient pas la capacité de nommer les choses. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Ils ont compris. Ils ont compris que l'insan, l'humain, Allah l'a distingué par le pouvoir de la connaissance. Subhanallah. L'humain, donc, il a ce pouvoir de la connaissance. Et l'humain, il a également cette capacité de désirer la rencontre d'Allah Azza wa Jal.
Donc c'est quelque chose, quand tu réfléchis, tu dis que lorsque l'humain pieux, d'accord, est sur le droit chemin, il devient meilleur qu'un ange. Parce que l'adoration de l'humain est une adoration qui est choisie. Contrairement à l'adoration des anges, qui est une adoration naturelle. Deuxièmement, deuxième bénéfice que tu vas tirer quand tu vas réaliser la foi aux anges, c'est que tu vas repousser al-ghurur, la prétention, l'admiration de soi. Tu ne vas pas te vanter de ta piété ou tes bonnes actions. Parce que tu sais que parmi les créatures, il y en a qui adorent Allah plus intensément que toi. Et vous savez que un des grands pièges pour les pieux, c'est ça. Tu vois, Shaytan, lorsqu'il vient t'égarer, il s'adapte par rapport au profil qu'il a. Donc quand il va voir quelqu'un qui est très attaché à son dîn, Shaytan sait qu'il n'a aucune chance de le faire céder à l'adultère. Lui déjà, même quand il baisse pas son regard toute la journée, il est attristé, il ne sent pas bien. Quand il regarde quelque chose de pas bien, il est triste pendant des heures et des heures. Comment cette personne-là, il va arriver à se retrouver avec une femme, un rendez-vous, entre lui et l'adultère, il y a une distance. Parce qu'il est prudent, prend ses précautions. Shaitan, il va utiliser autre chose. Pourquoi Zahef disait, Shaitan, il vient, soit il voit chez quelqu'un un laxisme en matière de religion, et donc il va chercher à le faire tomber dans les passions, dans les désirs interdits. Soit il voit quelqu'un, il a un dîn très fort, et là, soit il le fait tomber dans l'extrémisme, tu vois, dans les bidars, dans les innovations, ou soit il va le faire tomber dans la prétention. C'est-à-dire, il va se voir comme quelqu'un qui est déjà au paradis, tu vois. Il va s'enorgueillir, tu vois. Au lieu que l'adoration va lui procurer humilité et modestie, eh bien, ça devient le contraire. Il se rebelle par son adoration. Et ça, malheureusement, c'est des cas qui existent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis en nous citant un exemple d'un parmi les Bani Israël qui avait un frère qui était pécheur, et lui, il était pieux. Et à chaque fois, quand il voyait son frère faire des péchés, il lui faisait une remarque. Arrête, arrête, arrête. Et un jour, ce frère-là, pécheur, il était excédé. Il lui a dit, laisse-moi tranquille. Allah t'a pas créé pour que tu me surveilles. Et son frère, il lui répond par les propos suivants. Il lui dit, Wallahi la yaghfirullahu lak. Il lui dit, Wallah, Allah, il ne te pardonnera pas. Et Allah Azza wa Jalla dit, Man dhalladhi yata'allahu alayhi. Qui ose jurer à ma place? Qui décide à la place d'Allah? Et il a pris les âmes des deux et il lui a dit, au pieux là, Ahbattu amalak. J'ai annulé tes actions et j'ai pardonné à ton frère. T'es qui toi pour décider à la place du roi, du maître? T'es qui? Comment tu viens contester te mêler des décisions qui relèvent des décisions du divin? T'es qui toi pour décider qu'Allah ne pardonne pas un tel ou un tel? T'es qui? Abu Hurayra, quand il a rapporté ce hadith, il a dit والذي نفس أبي هريرة بيده لقد تلفظ بكلمة أو بقى بها دنياه وآخرته. Par celui qui tient la main d'Abu Huraira dans sa main, il a prononcé une parole par laquelle il a perdu sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Donc attention à ce piège-là également, parce que il y a également des failles. أخوف ما أخاف عليكم أن يعجب. Parmi les choses que le prophète redoutait pour nous, c'est justement ce qu'on appelle ce ujub, cette admiration de soi. Tu vois, on a demandé à un savant, on lui a dit, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils sont à fond dans la religion et ils s'égarent? Et il a dit, il y a deux causes. Soit il n'a pas remercié Allah Azza wa Jal du bienfait de l'istiqama, ou soit c'est l'ujub. Il est épaté, il est impressionné par son parcours.
Il est impressionné par le nombre de pages de Coran qu'il lit. Il est impressionné par... Attention. Et donc parmi les moyens qui vont te permettre de casser ton ego, c'est que dis-toi que déjà, on le sait, parmi les humains, il y en a qui sont plus proches d'Allah que toi et plus pieux que toi. Et même si tu n'arrives pas à en voir, et ben sache qu'il y a des anges qui comptent par des millions, des milliards, qui, dans leur adoration, ils sont encore plus intenses que toi. Aussi, parmi également les leçons, c'est de voir comment, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain, il a une place honorable. Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré l'être humain. Dans le sens où il a mis ses anges à son service. Il y a beaucoup d'anges qui ont des tâches qui concernent justement l'intérêt de l'humain. Comme on a dit, ceux qui implorent le pardon, font des du'as, ceux qui écrivent tes bonnes et tes mauvaises actions. L'ange qui vient insuffler l'âme au bout de 120 jours, lorsque le fœtus il se développe et lorsqu'il atteint 120 jours, Allah lui envoie un ange. فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحِ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Donc vous voyez, tous ces textes-là montrent, subhanallah, comment Allah Azza wa Jalla, il a honoré l'être humain. Également, de s'inspirer des anges dans leur organisation. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, ne voulez-vous pas vous aligner dans la prière comme les anges, ils s'alignent. Parce que les anges, ils sont bien alignés dans leur salat. Et donc, Nabi alayhi wa sallam, il encourage les croyants, justement, à faire de même, tu vois. Aussi, il est important de comprendre également que tu dois absolument purifier ton cœur. Les anges, tu vois, ils indiquent la pureté, tu vois. Les anges, c'est le symbole de la pureté. Et vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou des images. Il ne rentre pas dans une maison, il y a un chien et des images. Les savants, ils ont dit également, le cœur qui est touché par les mauvais comportements, par les mauvais caractères, tu vois, comme la jalousie, comme la rancœur, comme l'orgueil, comme l'admiration de soi, tu vois. C'est comme si qu'il a justement ces caractères de chien. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, ils ont dit qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'image que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Le chien, bien évidemment, quand le chien il a été pris sans motif valable. Donc ils ont dit également les bonnes significations, les significations de la lumière de la science, d'accord ? Elle pénètre pas dans les cœurs qui ont ces comportements-là, les comportements de chien, tu vois. Comportements de qui sont vils, qui sont bas, qui sont médiocres. Et parfois même les humains, ils font même pire que ce que font, ils vont à un niveau encore pire que ceux des chiens, tu vois. Parfois les animaux, tu les vois, ils sont plus fidèles que certains humains. Il y en a même d'ailleurs, il a écrit un livre comme ça. Oui, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais il disait Fadlul Kilab ala kathir mimman labisa thiyab. Où il montrait que parfois, là, il y a des êtres humains, ils arrivent à un niveau de bassesse et de médiocrité tellement bas que même l'animal ne le fait pas. Donc, on voit que le fait de méditer sur ces informations-là, bien évidemment, ça reste des informations, on va dire, minimes pour nous, parce que le monde des anges, comme je l'ai dit, c'est un monde qui est invisible. Mais si ces textes-là sont médités, ils sont répétés, à travers ces textes-là, le croyant, il va se rappeler de la grandeur d'Allah, de sa puissance, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plein de créatures qui nous échappent complètement. Et que justement, dis-toi que entre toi et ce monde invisible, il n'y a que la mort. Dès que tu vas arriver à l'agonie,
tu vas aller voir les anges. C'est pourquoi, on l'avait dit il y a quelques jours, l'œil, il suit l'âme. Quand quelqu'un, il est pendant l'agonie, quand l'ange de la mort, il vient pour récupérer son âme, là, à ce moment-là, l'humain va voir ce qui était caché auparavant.